Séville. Bienvenue pour ce premier gala des Outdoors. Bienvenue à vous, oui. Ce soir, vous allez voir défiler des personnalités LGBTQ, des stars, mais aussi des militantes, les femmes de combat. J'aime ça, les femmes de combat. Beaucoup de stars, oui, et j'imagine que vous avez deux questions qui vous brûlent les lèvres. Mais comment fait-on pour aller dans les loges pour faire un selfie? Ouais. Et qui sont ces deux filles sur scène, bordel de merde? Parce que les gens se demandent, je vois la dame qui me regarde, elle dit c'est Bordoni Cavana en fait. C'est pas mûrir, madame. Alors je laisse sur les soignons faire les présentations. Ah bah c'est sympa. Je te connais pas, donc c'est gênant. Je la connais, j'ai vu en répétition, quoi, c'est tout. Quoi. Bon, ok, je vais essayer de te présenter. Bon, je pense que je sais que t'es avec une fille, ou alors pose-toi des questions. Clairement. Et tu es journaliste sur Arte. C'est ça. Et voilà. Et moi, je suis issu du Jamel Comedy Club. C'est un bon mélange, vous voyez, pour la soirée. Pas trop chiant, pas trop drôle. Merci de rire à ça. Bien compris, c'est que Marie raconte des informations sérieuses et moi je suis là pour pas que vous dormiez sur les informations sérieuses. Démonstration. Il y a quelques jours, des centaines de milliers... Voilà, c'est chiant. Et là, ouais, on est obligé. Il y a quelques jours, des centaines de milliers de personnes défilaient dans les rues de Paris pour la marche des fiertés, la 40e, tous fiers et fières. Donc... C'est vrai. Ouais, moi j'ai marché aussi, j'ai lutté d'ailleurs. Ouais. Ouais, quelques images. On est mort. Ah ouais, c'est pas... Voilà, c'est difficile. Ouais, j'ai des ampoules et tout. Hein. Très engagé. Et il n'y a pas que moi qui suis engagé, mais il n'y a pas beaucoup de gens, des personnalités publiques comme ça qui se montrent, qui haoutent comme ça. Hein, ouais. Ça se dit qu'ils se haoutent? Non, ils font des coming out. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, bref, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ceux qui s'élèvent contre notre mode de vie, eux, on les entend, puis on les entend assez fort. Alors c'est pourquoi ce soir, on a voulu récompenser et encourager ceux qui osent, ceux qui relaient nos combats, ceux qui montrent nos réalités dans les médias et dans la culture. Alors ce soir, comme dirait Donald, on ne pense pas aux bad, bad guys. Non, c'est pas celui-là. Ah, sur nous. Ce soir, on distribue des roses à ceux qu'on a aimés cette année. Nos lauréats et vont monter sur scène, venir nous expliquer à chaque fois leur travail. Attention, cela dit, il y a des règles de bienséance en société que nous allons observer sur ce plateau. Et pour cela, notre inspiratrice n'est autre que Nadine Rothschild, qui conseille, dans les soirées où les invités s'attardent un peu trop, de servir une orangeade pour leur faire comprendre qu'il est temps de quitter la scène. Donc c'est, pour être clair, si vos discours sont trop longs, on dit merci beaucoup, c'est gentil. Mais non, précision. Par contre, je te rappelle qu'on est en direct sur Facebook, donc il y a des jeunes qui nous regardent. T'as dit Nadine de Rothschild et Orangé dans la même phrase. Ça fait beaucoup. D'accord. En gros, pour les jeunes qui nous regardent, ce qu'elle a voulu dire, la dame, c'est que si vous cassez des couilles pendant que vous parlez, tu vois que c'est trop long, vous taillez chez votre daronne. Voilà, c'est simple. On passe au premier outdoor de cette soirée, celui de la personnalité de l'année, qui du coup va être un petit peu notre parrain ce soir. Je vous demande d'accueillir Adrien de la Vega. Pour ce prix, alors sache que si tu l'as gagné, c'est parce que je me suis pas présenté, hein. Parce que sinon j'aurais des conflits d'intérêts, donc c'est pour ça que tu l'as eu. Mais ne m'écoute pas, surtout quand je te parle. C'est pas... En tout cas, Adrien, bravo, félicitations, parce que ce que tu fais, c'est formidable. Tu parles d'un sujet que peu de personnes parlent, la transidentité sur YouTube. On peut l'applaudir, Adrien. Bah, du coup, je vais essayer de faire vite parce que j'aime pas trop. Te viens. Bah, du coup, merci à tous, merci aux personnes qui ont voté sur Facebook, parce que du coup, moi c'était un vote du public qui était sur les réseaux sociaux. Du coup, on m'a présenté brièvement, je ne vais pas dire plus sur moi parce que c'est pas trop intéressant. Et je vais en profiter pour dire deux mots qui sont assez chiants, donc après tu fais des blagues. Alors, du coup, au cours de ces dernières années, la visibilité médiatique des trans a été sans précédent. Vous connaissez tous Laverne Cox, Kylie Jenner, Hayden ou encore Chelsea Manning. Mais je suis hyper stressée. mais cette visibilité a bien été souvent ambivalente et la JL n'a pas manqué d'interpeller plusieurs de ses collègues sur la manière d'écrire des articles sur les personnes trans, par exemple ne pas mégenrer ou utiliser l'ancien pronom, la base. Ces dernières années,
On a aussi vu un très grand nombre de personnes trans se faire assassiner, surtout des femmes noires et latinas aux US, comme Maya Young, 25 ans, Monica Loera, 43 ans, Chante Thompson, 34 ans. La visibilité des personnes trans est fondamentalement paradoxale et ambiguë. D'un côté, plus nous sommes visibles, plus nous pensons faire avancer les mentalités, et de l'autre, plus nous sommes visibles, plus nous nous exposons au danger et plus nous sommes vulnérables. Bien souvent, nos transitions ont pour but de nous offrir une certaine sécurité en nous rendant moins visibles, ou alors en nous donnant le choix d'être visible quand on veut, avec qui on veut. J'ai pour ma part fait le choix d'être un homme trans visible pour venir en aide à ma communauté. Mais surtout, je souhaite que nous soyons enfin audibles, tant au niveau individuel que collectif. Plutôt que de voir des films et des photos, il est temps d'entendre les revendications des associations trans sur le changement d'état civil libre et gratuit, sur simple demande en mairie. Plutôt que de se limiter à constater les changements physiques de nos proches trans, mettons-nous à leur écoute. Ma visibilité n'a pas d'autre but que de vous faire prêter l'oreille à toutes nos voix. Merci.